Lorana, bonjour, bonsoir et bienvenue dans Prat Haiti par l'État haïtien. Nous avons vu comment une voyelle glottalisée comme A de Ata pouvait perdre son état, son occlusive glottale, et se transformer en voyelle mouillée, Areo. Mais ce n'est pas tout. Le même mot qui commence maintenant avec une voyelle mouillée, tenez-vous bien, a changé de sens. Exemple, Ata devient Ata. Iri devient Yiri. Oura devient Oura. Voici donc ce qu'il faut retenir. Les Areo, vraies voyelles de la langue tahitienne, ne sont pas glottalisées comme en français, A et I, O, U, U, mais mouillées et brèves, A, E, I, O, U. A comme Boa, E comme Zoé, I comme Inouï, O comme Léo, U comme Voyou. Un petit secret, le Eta, l'occlusive glottale, est en réalité une consonne. Pour les linguistes, le Eta est la neuvième consonne de l'alphabet tahitien. Fa pour F, He pour H, Mo pour M, Nu pour N, Pi pour P, Ro pour R, Ti pour T, Vi pour V et la neuvième consonne, Eta, signe diacritique qui ressemble à une virgule. Je vous propose de répéter après moi les mots que nous allons construire à partir du mot Ata. Devant la voyelle mouillée A, nous allons placer les neuf consonnes du Rio Tahiti et nous verrons comment le mot Ata, quand il est précédé d'une consonne, va littéralement changer de sens. Faites l'effort de ne pas glottaliser le A de Ata, ni de prononcer Ata à la place de Ata. Écoutez et répétez, et voyez comment le mot Ata change de sens lorsqu'il est précédé d'une consonne. Allons-y. Ata, Fata, Ata, 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 Mata, Ata, Nata, Ata, Pata, Ata, Rata, Ata, Tata, Ata, Vata, et enfin, nous retrouvons Ata, Ata. Notre prochaine émission sera consacrée à la consonne H, le H expiré, par Hayama et Yorana. Au revoir et portez-vous bien.